Aujourd'hui, le Seigneur Jésus nous invite à avoir foi en Dagbo du Esprit-Saint dans les moments d'épreuve. Dimanche 9 août 2020, 19e dimanche du temps ordinaire, chers internautes, recevez toutes nos salutations sur ce rendez-vous eucharistique hebdomadaire. La messe de ce jour sera célébrée par le révérend Père Elias Atingla, curé de la paroisse Notre-Dame du 10 janvier d'Aïtchédi, et David Lamain, curé de la paroisse Sainte-Parfaite et Saint-Gérard d'Aconville. L'animation de ce jour sera faite par la chorale rangée du doyenné Saint-Gabriel de l'archidiocèse de Cotonou. Chers internautes, n'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification sur YouTube et d'aimer et partager nos publications sur Facebook. À très vite. Oui, bah, ouais, mine, ma de te couser, reso, il a ouais, mine, mais oh. Oui, bah, souviens-toi, Seigneur, de ton alliance. N'oublie pas plus longtemps les pauvres de ton peuple. Lève-toi, Dagbo, défends ta cause. N'oublie pas les cris de ceux qui te cherchent. En ton nom, Dagbo, toi qui es Père, Fils et Esprit Saint. La grâce de Dagbo, Dieu le Père, en communion avec l'amour de son bien-aimé Fils Jésus, notre Seigneur, soit toujours avec vous. Et avec vous aussi. Chers frères et sœurs, bonjour. En ce 19e dimanche du temps ordinaire, Fofo Jésus nous invite au courage et à la persévérance dans la foi. Il nous rappelle que Dagbo n'est pas un marchand d'illusions. Pour toutes les fois où nous avons fléchi, où nous avons semblé sombrer face à l'épreuve, reconnaissons notre faiblesse. Demandons-lui pardon humblement, afin que sa grâce nous accompagne tout au long de cette Eucharistie. Je confesse à Dagbo, tu es tout-puissant. Dagbo, Dieu Tout-Puissant, fais-nous miséricorde. Donne-nous pardonne nos péchés, ceux de nos arrêts de progéniture, et conduis-nous à la vie éternelle. Akulu na kulu mbala umita, le roi routa la nuit.
Prions le Seigneur. Dagbo, Dieu éternel et tout-puissant, toi que nous pouvons déjà appeler Père, fais grandir en nos cœurs l'esprit filial, afin que nous soyons capables d'entrer un jour dans l'héritage qui nous est promis. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, lui qui vit et règne avec toi, Dagbo, Dieu tout-puissant, toi qui es Père, Fils et Esprit Saint, et qui règne maintenant et pour les siècles sans fin. Lecture du premier livre des rois au Dagbovi, chapitre 19, les versets 9a et 11 à 13a. En ces jours-là, lorsque le prophète Élie fut arrivé à l'Horeb, la montagne de Dagbo, Dieu Tout-Puissant, il entra dans une caverne et y passa la nuit. Dagbo dit, sors et tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur, car il va passer. À l'approche du Seigneur, il y eut un ouragan si fort et si violent qu'il fendait les montagnes et brisait les rochers. Mais Dagbo, le Seigneur n'était pas dans l'ouragan. Et après l'ouragan, il y eut un tremblement de terre. Mais Dagbo, le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Et après ce tremblement de terre, un feu. Mais Dagbo, le Seigneur n'était pas dans ce feu. Et après ce feu, le murmure d'une brise légère. Aussitôt qu'il l'entendit, Élie se couvrit le visage avec son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Parole de Dagbo, Dieu Tout-Puissant.
Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains, aux Dagbovies, chapitre 9, les versets 1 à 5. Frères, c'est la vérité que je dis dans le Christ. Je ne mens pas. Ma conscience m'en rend témoignage en Dagbo, Dieu Esprit Saint, son Père. J'ai dans le cœur une grande tristesse, une douleur incessante. Moi-même, pour les Juifs, mes frères de race, je souhaiterais être anathème, séparé du Christ. Ils sont en effet israélites. Ils ont l'adoption, la gloire, les alliances, la législation, le culte, les promesses de Dagbo. Ils ont les patriarches et c'est de leur race que le Christ est né. Lui, qui est au-dessus de tout, Dagbo, béni pour les siècles sans fin. Amen. Parole de Dagbo, Dieu Tout-Puissant. Le Seigneur est avec vous. Et avec vous aussi. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu d'Agbovi. Matthieu chapitre 14, les versets 22 à 33. Notre Seigneur et Sauveur Fofo Jésus-Christ, frère jumeau du pape Christophe XVIII, avait nourri la foule qui le suivait dans le désert. Aussitôt, il obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait les foules. Quand il les eut renvoyés, il gravit la montagne à l'écart pour parler avec son père Dagbo. Le soir venu, il était là seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre. Elle était abattue par les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Fofo Jésus vint vers eux en leur donnant l'impression de marcher sur la mer. En le voyant, les disciples furent bouleversés. Il dit, « Est-ce un fantôme ?» Pris de peur, il se mit à crier. Mais aussitôt, Fofo Jésus leur parla, « Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre prit alors la parole et dit, Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. Fofo Jésus lui dit, vous ne croyez qu'en ce que vous voyez et surtout en ce qui est illusion. Alors, viens et tu verras. Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux
pour aller vers Jésus. Mais voyant la force du vent, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il cria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, derrière lui, Faux Jésus répondit, « Pierre, homme de peu de foi, pourquoi doutes-tu? Ne me crois-tu pas capable de te faire marcher sur les eaux ?» Pierre se retourna et en voyant Faux Jésus, il lui dit, « N'es-tu pas toi-même sur les eaux, Seigneur ?» Faux Jésus lui répondit à nouveau, « Je ne suis pas sur les eaux. Je ne suis pas un marchand d'illusions. Je voulais te le prouver. » Faux Jésus étendit sa main et le saisit. Et quand il fut monté dans la barque, le vent tomba. Alors, ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui et lui dirent, « Vraiment, tu es le Fils de Dieu, Dagbo, Dieu Tout-Puissant. » Acclamons la parole de Dagbo, Dieu Tout-Puissant. Faites vous asseoir. Chers frères et sœurs, bonjour. Encore heureux de vous retrouver ce dimanche et de retrouver tous nos frères qui, à travers les réseaux sociaux, nous suivent à travers le monde chaque dimanche. Je leur dis merci et je demande à ceux qui recherchent Dieu en esprit et en vérité de continuer à nous suivre afin d'avoir une vision plus claire de ce Dieu, l'unique de l'univers qui a prêché parmi nous. Chers frères et sœurs, ce dimanche, les tests m'ont profondément fait réfléchir et j'ai médité longuement sur comment Dieu agit. Voyez-vous, tous les croyants, tous les fils d'Abraham, parce que Abraham est notre père dans la foi, tout croyant en venant au monde, vit dans l'espérance que se réalise de son temps la promesse faite à Abraham. Dieu, le roi de la paix, visitera son peuple. Et Dieu, lorsqu'il nous envoie dans le monde, un peu à l'image du prophète Élie, à qui il dit, sors, suis la montagne et tiens-toi debout, le Seigneur ton Dieu va passer. Il espérait que Dieu passe dans un roulement de tonnerre et Dieu n'était pas dedans. L'ouragan s'est soulevé, Dieu n'était pas dedans. Les éclairs, Dieu n'était pas dans ça. Et finalement, au moment d'apparaître, Dieu apparaît à travers une brise légère, tendre, fraîche, qui inspire paix, qui inspire assurance. Ainsi, lorsque la paix, lorsque le Messie a voulu visiter Israël, qui était dans l'espérance que son Messie viendrait sur terre, eh bien, il s'est présenté sous un visage de paix, roi de la paix, Jésus-Christ notre Seigneur Sauveur. Le peuple s'attendait à ce Dieu-là qui allait descendre, un peu comme sur Sodome et Gomorre, enflammer le monde, embraser ses oppresseurs. Le peuple s'attendait à un Messie qui allait soulever toute une armée contre l'oppresseur romain afin qu'il soit libéré de son joug. Et voici que Dieu vient tel une brise légère, tendre, de paix. Et exhorte plutôt à la paix, à la réconciliation, à l'amour entre les frères. Ce Dieu-là, n'ayant pas agi conformément au désir des hommes de ce temps-là, des fils d'Israël de ce temps-là, a été rejeté.
Eux, ils voulaient un Dieu fort, un Dieu de violence, un Dieu qui allait tout détruire sur son passage. Un Dieu qui, sur son passage, devait inspirer la peur. Parce que les peuples du monde sont habitués à l'illusion, au grand bruit. 2000 ans plus tard, le monde n'a pas retenu cette leçon. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que ce que nous présentons aujourd'hui comme propos et comme un cri de cœur à tous les croyants du monde entier, et en particulier au fils du Bénin, à l'image de Saint Paul, mon âme est triste. Et je suis sûr que c'est pareil pour tous les adorateurs que Dieu a choisi et élu selon son cœur. Nos frères et sœurs, nos pères et nos mères du Bénin, voici que Dieu, le roi de la paix, descend sur terre. En toute humilité, il prend une apparence humaine, le vieillard de l'humanité, et parle avec amour, patience et miséricorde. Et à l'image des fils d'Israël d'alors, tout le peuple du Bénin, qu'il est venu bénir éternellement. Le Béninois, qu'il est venu honorer, car il a pris notre condition, la peau noire, il parle notre langue, eh bien, nous sommes les premiers à le rejeter sous prétexte que les grands vents qui sont passés, les illusions qui sont passées, les religions qui ont dévié les âmes au nom de Jésus, Dieu se trouve en eux. Eh bien, dans les grands vents, il n'y était pas. Dans les tremblements de terre, il n'y était pas. Il descend en toute simplicité. C'est un cri de cœur. Souvenez-vous de ce qui s'est passé. Jusqu'à aujourd'hui, Israël attend le Messie. Et pourtant, le Christ est passé sur terre. Ils l'ont crucifié et ils continuent de vivre éternellement, victorieux. Que ce peuple se souvienne que Dieu est amour, miséricorde, humilité. Et que pour toujours et à jamais, Dieu n'agira pas selon la connaissance qu'ils ont de lui, mais selon son désir et selon sa nature profonde. Amour, miséricorde, humilité. Et lorsque nous en venons à l'évangile du jour, chers frères et sœurs d'Abovi, qui s'adresse particulièrement à Abovi, voyez comment la parabole du jour et les mystères rapportés au cours de cet évangile sont très riches et ouvrent de nouveau plus intensément les yeux aux Abovi. Chers frères et sœurs, Dieu a choisi ses élus et leur a donné de le devancer dans le monde. Vous voyez, le Christ, il envoie les croyants dans le monde, il envoie les apôtres. Prenez la barque et avancez. Et longtemps, il était avec son père, longtemps après, eh bien, il revient vers eux. Pendant ce temps, l'obscurité était déjà profonde. Le vent contraire faisait déjà chavirer la barque. Et c'est alors qu'au bout de la nuit, le Christ avance. Donc, au plus profond de l'obscurité de ce monde, chers frères et sœurs, Dieu est descendu à prier. Et en prier, il a déclaré qui il est. Il a proclamé à la face du monde entier qu'il est Tabo, Dieu le créateur de l'univers. Écoutez bien la parabole. Et il dit ceci: chers frères et sœurs, je suis l'unique Dieu de l'univers, celui qui a envoyé Jésus-Christ, votre sauveur, sur la terre, l'époux de la Vierge Marie. Et puis elle lui dit ceci: Seigneur, est-ce bien toi? Est-ce bien toi? Si c'est vraiment toi, alors invite-moi à descendre de la barque où j'étais et à marcher sur les eaux comme toi. Mais quelle eau? La mer, c'est le symbolisme de tout ce qui engloutit les gens dans le monde. C'est le symbolisme de tout ce qui est obscurité. C'est le symbolisme de tout ce qui empêche les hommes d'aller au ciel, mais de couler, d'être engloutis pour les enfers. Alors, il dit à Foufou Jésus, suivez la conversation, si c'est vraiment toi, ordonne que moi-même je marche comme toi sur les eaux. Dabo a prouvé qu'il est Dieu. Il a vaincu
les forces de ce monde. Il a vaincu les idoles. Il a montré qu'il est au-delà de la sorcellerie. Il a montré que Dagbo qu'il est dépasse tout dans l'univers. Et Dieu Dagbovi, je vous donne également d'être Dagbovi. Dagbovi qui signifie fils de Dagbo, mais qui signifie littéralement également des Dagbo en miniature, des petits Dagbo. Et donc, en nous conférant cette grâce, il nous donne également de marcher sur l'océan de ce monde sans être englouti, sans nous enfoncer. Et Pierre, comme tout Dagbovi, est sorti de la barque où il était. Vous êtes sorti de diverses religions, de diverses considérations spirituelles, marchant vers Dagbo dans ce monde. Et Dagbo, pendant 9 années, a prouvé à la face du monde que la grâce de Dagbovi qui vous a conféré vous permet de piétiner les scorpions et les serpents, de marcher sur le dragon et les tigres de ce monde. Mais alors, en chemin, il se produit quelque chose qui signifie que la foi véritable ne se trouve pas seulement dans la multiplication des miracles que l'on fait devant nous dans notre vie, mais aussi dans notre capacité à résister dans l'épreuve. Pierre marche sur l'eau et le vent souffle. Le vent devient de plus en plus fort. Et tout à coup, il se met à douter. Il se demande s'il est vraiment Dagbovi. Si Dagbo l'a rendu pareil à lui-même. Si le Christ l'a rendu pareil à lui-même sur les eaux. Les vents violents, les difficultés, qu'est-ce que c'est? Ce sont les chantages affectifs, ce sont les persécutions, ce sont les privations, les moments de difficulté que nous traversons. Et ce sont ces moments-là qui nous permettent vraiment de nous rendre compte. Est-ce que notre foi tient? Sans l'épreuve, on ne peut pas savoir si nous avons la foi. Ce ne sont pas les miracles qui maintiennent la foi, non. Si c'était les miracles qui maintenaient la foi, le nombre de miracles et de refaits qui se sont multipliés aux yeux du peuple béninois en 2009, au lancement de la mission de Bonhomé, aurait permis à tout le Bénin d'être converti. Beaucoup ont trouvé le salut. Même des morts ont été ressuscités, pourtant aujourd'hui se sont détournés de Dieu. Miracle, d'accord, pour aider à avancer vers Dieu, mais après, ce sont les épreuves qui fortifient la foi. Et lorsqu'il a commencé à sombrer, parce qu'il a paniqué, quand il a commencé à douter, Dieu est encore venu à l'aide. Le Christ s'est retrouvé à côté de lui. Et lui a dit, courage, garde la foi. Il a vu Dieu. Il lui a conféré d'être comme lui, de marcher sur les dangers de ce monde. Et pourtant, l'épreuve lui a fait douter. Et alors, Dieu lui tend encore la main. À chaque instant où nous traversons des épreuves, chez Dagbovi, qui vont faire flancher notre foi, qui vont nous faire douter, Dagbo est encore là. Cela signifie que l'épreuve fait partie de la vie du chrétien, du Dagbovi. Sans épreuve, on ne peut même pas savoir si on a la foi. C'est l'épreuve qui fortifie notre foi et qui détermine la qualité de notre foi. Et Dieu est là. Le psaume dit ceci. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Le moment du désert, la vallée de l'ombre de la mort, chaque être humain, chaque Dagbovi qui refuse d'y entrer, comment peut-il se rendre compte que Dagbo est avec lui, prêt à lui tendre la main quand il voudra sombrer? Demandons juste au Seigneur ceci. Lui qui a fait de nous un autre lui-même et nous a établi fils, qui nous donne de croire et de maintenir notre espérance ferme même lorsque nous traversons la vallée de l'ombre de la mort. Car il a promis, et comme le Christ, son Fils, il se tient prêt à côté de chaque Dagbovi, prêt à nous tendre la main et à nous sortir du gouffre de ce monde. Qui garde votre foi ferme, votre espérance constante, et qu'il vous donne de pouvoir affronter les ouragans afin que nous puissions cheminer vers lui qui est l'éternité. Et que Dieu Tout-Puissant, qui a aimé le Bénin, qui l'a choisi, élu selon son cœur, le bénisse davantage
et ouvre les yeux à tous ceux qui sont encore dans l'obscurité de ce monde. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Chers frères et sœurs, confiant de ce que Dagbo n'est pas une illusion et que ce n'est pas un illusionniste, levons-nous avec confiance et professons notre foi. Je crois en Dagbo, Dieu le Père Tout-Puissant. Celui qui a marché sur les eaux n'est pas un fantôme. C'est Fofo Jésus ressuscité. En prenant la main qu'il nous tend, nous pouvons entraîner tous nos frères et sœurs à sa suite. Élargissons donc notre prière aux dimensions du monde. À tous les niveaux décisionnels, la grâce du recueillement dans la prière avant la prise de toute décision, surtout lorsqu'elle implique l'avenir de toute une nation. Dagbo, Dieu d'éternelle gloire, nous t'implorons. À toutes ces personnes qui traversent des moments extrêmement difficiles, qu'elles trouvent en Jésus transfiguré l'espoir d'un avenir meilleur où tout est encore possible, Dagbo, nos prières se font insistantes. Homme de peu de foi, pourquoi as-tu hésité? Voilà ce qui constitue la pierre de base de l'Église, la foi. En ce mois consacré à la Vierge Marie, demandons-lui de nous délivrer des chaînes de l'incrédulité.
plus insistante, mère des mères, nos prières se font à l'endroit de ceux qui, non pas par manque de foi, mais de moyens, ont déposé le tablier. Vierge très puissante, nous t'invoquons. Comme les apôtres envoyés sur l'autre rive, nous sommes appelés à quitter nos sécurités pour que nous sachions ensemble témoigner de la force de notre foi et répondre aux attentes de ceux qui comptent sur nous. Dago, sois favorable à nos appels. Dago, Dago, Dieu notre Père, toi qui as ressuscité pour Jésus et qui nous promet une nouvelle vie, achève ce que tu as commencé dans notre monde. Fais-nous voir ton amour et conduis-nous vers la vie qui ne finit jamais. Nous te le demandons par ton Fils qui vivrait avec toi, Dago, pour les siècles sans fin. Et toi,
prions ensemble, Dagbovi, mes frères, au moment d'offrir le sacrifice de toute la très sainte Église. La gloire de Dieu, le salut du monde. Dagbo, tu as donné ces présents à ton Église très sainte pour qu'elle puisse te les offrir, d'ailleurs les accueillir favorablement, qu'ils deviennent par ta puissance le sacrement de notre salut, par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur est avec vous. Et avec vous aussi. Préparons notre cœur. Rendons grâce à Dagbo notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire et de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi Dagbo, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour notre misère, il a voulu naître d'une femme, la Vierge Marie. Par sa passion et sa croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Et par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura jamais de fin. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous, petits rois d'Israël, choisis et élus selon ton cœur, nous proclamons ta gloire en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur Sauveur, Fauveur Jésus-Christ, a quitté le royaume des morts en tant que vrai Dieu. Et nous te prions, Dagbo Dieu Tout-Puissant,
sanctifie ces offrandes en reprenant sur ta grâce, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer livrant dans sa passion, il prit le pain. Et les yeux levés d'Abo Dieu, son Père, notre Père, il rendit grâce, le bénit, et le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Qu'il y soude sous nos héros, ils amitent et dimitent. De même, à la fin du repas, il prit la coupe et les yeux levés au ciel à nouveau te rendant grâce. Il la bénit. Il la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versée pour vous et pour la multitude des d'Abobi qui seront choisis en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons d'abord le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence et humblement. Nous te demandons qu'en n'ayant pas encore au sang du Christ, nous soyons rassemblés par toi, Dieu, notre Père, dans un seul corps. Souviens-toi d'abord, notre Dieu, ta très sainte Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité et avec ton Saint Vicaire,
et frère jumeau de faux Jésus de pape Christophe 18, ses collaborateurs directs, les cardinaux, les évêques représentants de tous les cadres du diocèse ou non, et en particulier ton serviteur éminence Luc Junior, et leurs collaborateurs, les prêtres, les diacres et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans le sommeil de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi, Dagbo, Dieu de bonté et de miséricorde. Sur nous tous, Dagbo, ici présent, nous implorons ta bonté. Dagbo, nous implorons ta bonté sur chaque famille, sur chaque foyer. Nous implorons ta bonté, Dagbo, sur tous tes enfants qui te cherchent dans le monde entier avec un seul cœur. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons par la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dagbo, Dieu Tout-Puissant, toi qui es Père, Fils et Esprit Saint, à qui revient tout honneur et toute gloire pour les siècles sans fin. Amen. Et puisque nous sommes devenus Dagbovi, c'est-à-dire les fils du Très-Haut, tous ensemble avec confiance, faisons monter dans une prière unanime notre supplication vers Dieu. Dagbo, Dieu notre Père, délivre tous les Dagbovi ici présents et d'ailleurs des ennemis visibles et invisibles. Délivre toutes sortes de maladies, même des maladies incurables, des envoûtements et de mauvais sorts. Épargne-les des accidents mortels, des pièges de Satan et ses suppôts. Fais la grâce de la santé et l'âme du corps et donne la paix à notre temps. Dans la paix, Dagbovi, dans la paix de la conscience et bénis-les. Bénis tous tes athées qui tournent leur famille, à cause du travail au chômeur et de la promotion à ceux qui en cherchent. Par ta divine miséricorde, libère-nous dans le grand du péché. Libère dans du suspens du cœur et rassure devant les ennemis persécuteurs en cette vie enfants en ta puissance et espérons la délivrance et le bonheur que tu promets ainsi que l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres ce dia d'aujourd'hui, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, ne regarde pas nos infidélités. Ne regarde pas nos transgressions et ta loi, nos manques d'amour, nos manques de miséricorde et nos manques d'humilité. Mais la foi, l'attachement est à ta très sainte Église, pour que ta volonté s'accomplisse dans l'utilité de cette paix et conduise à la vérité parfaite, toi qui règnes pour les siècles sans fin. Que la paix de Dagbo, notre Dieu, soit toujours avec vous. Mes chers frères et sœurs, dans l'amour et la charité du Christ, notre Sauveur,
et de Dagbo, Dieu notre Père, qui a prêché parmi nous, donnons-nous la paix. Et nous sommes-nous invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dagbo, Dieu notre Père, le Christ sauveur, qui enlève le péché du monde. Dagbo, je ne suis pas digne de recevoir ton fils, mais seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ unis dans cette coupe nourrissent en nous la vie éternelle. Amen. Wa akumoti fofo Jésus Christ.
Le pain que je donnerai, dit le Seigneur, c'est ma chair pour la vie du monde. Prions encore le Seigneur. Que cette communion à ton sacrement, Tagbo, notre Dieu, soit notre délivrance et nous enracine dans ta vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, lui qui vit et règne avec toi, Tagbo, Dieu Tout-Puissant, toi qui es Père, Fils et Esprit Saint, et qui règne maintenant et pour les siècles sans fin. Je vous salue Marie. Je vous salue Maman Marie. Je vous salue, Maman Marie. Pleine de grâce, la gloire est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et pourquoi Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Que toute gloire soit rendue à Tagbo, Dieu Tout-Puissant, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Chers frères et sœurs, le combat de Bonhomé a été demandé 13 siècles durant au prix de l'âme de sang par la Vierge Marie. Et nous sommes au mois d'août, mois de Marie. Je voudrais que nous chantions notre action de grâce pour lui dire merci. Action de grâce. Thank you.
Merci à la chorale Haye du doyenné Saint-Gabriel pour cette belle prestation. Merci à tous ceux qui ont participé à cette célébration eucharistique. Je remercie en particulier le Père David Namin, qui est mon curé doyen et qui est ici. Il reviendra, nous l'inviterons, certainement qu'il nous fera le plaisir de venir partager la parole du Seigneur avec nous, ainsi que les grâces que Dagbo lui a conférées. Merci à tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux à travers le monde. Je voudrais dire à tous ceux qui sont en ce moment en proie à des difficultés, au vent violent, à des tempêtes qui se sont soulevées sur leur chemin de foi, d'avoir confiance, de tenir bon, de tenir ferme, car Dagbo n'est pas illusion. C'est Dieu, le créateur de l'univers, qui est là. Et à tous ceux qui sont également dans le monde et qui sont en proie aux doutes, je voudrais leur dire que Dieu existe. Nous ne l'avons pas accueilli dans la foi, nous l'avons touché et vu. Merci également à tous ceux qui continuent de croire d'un seul cœur à Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur, qui est mort et ressuscité pour nous. Et tout en vous souhaitant bon dimanche, je voudrais inviter tous les Dagbovis du monde entier au rosaire, consacrer ce mois au rosaire, car n'oubliez pas que c'est le mois où la Vierge Marie ramène les captifs d'Israël vers la montagne de Benjamin. Priez pour vos frères qui sont encore dans l'obscurité, qui n'ont pas encore reconnu Dagbo, afin que la Vierge Marie intercède également pour eux, afin qu'ils viennent pour avoir le salut éternel. Le Seigneur est avec vous. Et avec vous aussi. Et que Dagbo, Dieu Tout-Puissant, lui qui est Père,
Fils et Esprit Saint vous bénissent. Allez demeurer dans la paix du Seigneur. Bon retour à chacun et à tous. Et bon dimanche à tous les Dagovis du monde entier.